Bonsoir et bienvenue pour suivre Bulletin Nouvelle en Créole pour ça samedi le 21 avril. Nous démarrons ce bulletin avec bonne grand titre. Un homme innoy après-midi Belom après qu'il lit avec des trois les autres dimons, type essaye sauver un groupe d'enfants qui t'y ont traîné par courant. Recesse pour retrouver sa zone allemand qui n'a perdu d'un bois belle villadique depuis mercredi in intensifié. Travail pour épargner un câble électrique principal à Balaumaye qui fait une copie courant la digue puis continuer. Et Nord-Corée annonce qu'il peut suspendre une test nucléaire et missile longue portée et l'annonce qu'il peut gagner bien accueillir au niveau international. Nous allons le bon détail à présent. Un homme 38 ans, Ronnie Lorette, il noye après-midi en Smarilor Belom. Sa l'incident s'est arrivé midi et demi. Côte sa zombe, ensemble avec des trois les autres dimons, si PC sauve un groupe d'enfants qui courent en train de la mer. Malgré la mer si mauvaise, un groupe d'enfants qui t'in vint un pique-nique en Smarilo, t'in décidé à nager de la mer. Vers midi et demi, des parmi les autres, tu commences à traîner par courant et sa quatre les autres enfants, tu essayes d'aider les autres. C'est là que les bandes dimons qui t'in lance in intervenu pour amener les autres à terre. D'après Ben Kitila, Ronnie Lorette, sa zombe âgé 38 ans qui noyé, t'in saute dans de l'eau ensemble avec des trois les autres dimon, l'étant sa six enfants qui pègent une difficulté pour retourner à terre. Nasira Dobby, t'y parmi Ben Kitila sa maman. Mon pégard son chip-chip, parce qu'il commence à crier de courant pétrin nous autres. Présent, Ben Adil, t'es que des trois dimon l'olance, il saute dans de l'eau pour les autres, présent, Ben prend la corde pour serrer de Ben Dimon qui t'y sa bonne maman. L'étant, il finit de tout Ben maman qui t'y en est tout ouïe sauce, t'y en saute pas à serrer de. Mais là où les cours en train de s'amuser qui tu peux aider, présent, il est en train de tout le monde en terre, tu as un bon nerf là-bas aussi qui se donne de l'OPC pour traînement en dedans. Présent, ça m'a fait qu'il y ait un train de s'amuser pour aider les autres, si tu es un petit peu trop loin. Il commence à fatiguer, après, il commence à plier dehors. Tu as un autre chat avec ça, qui est autre dehors. Après un PC à 45 minutes, comme à peu près, nous sommes capables de saluer dans ma SMC, diving boat dans ma SMC, nous sommes à l'hôpital. Halo, nous pas quoi aller pour un bon peu de temps. Nous sommes venus, nous sommes venus, nous sommes venus. Porte-parole la police, Madame Winifred Bakari, il dit qu'il est temps la police qui arrive l'ocine, sa bonne enfant avec un sa bonne dimon qui est dans la difficulté, qui finit à arriver à terre. Mais seulement maintenant nous checkons pour voir il peut gagner si détresse et même nous un des bateaux qui nous peut essayer qui du monde qui demande tu peux essayer aider mais après un peu de temps qui s'amche tu gagne sans arriver à terre et là dessus tu gagne transporter l'hôpital et sa troisième du monde malheureusement nous pas checkons voir et après un peu de temps un civilien à terre pendant qu'il recherche qu'on peut continuer un civilien à terre tu vois un quoi l'écho peut flotter de l'eau et les tabans du monde chargés des autres chamas de corps, ça dit mon qui nous a identifié comme ça dit mon qui mort. Ti plus qui en est temps plus tard, vers 2h après-midi, qui Ronnie Lorette, ti gagne voir un petit peu plus loin avec côté ça l'incident qui est arrivé. En ce mari-là, Belom, il souvent une fois en un malheur qui est arrivé, côté du monde noyé. Malgré ça, il n'a pas aucun enseigne là qui indiquait qu'il s'en doit y désirer. Nous devons être en enseigne pour le public et tout le monde qui a un endroit qui est assez désiré. Et je crois que nous méritons de prendre ça avec SFRSC qui a fait un bazot. Après, la police ensemble et nous avons décidé qui nous pouvons faire à cause nous avons besoin de faire quelque chose pour que le monde qui a un endroit désiré. Et peut-être plus l'enseigne avec la présence de lifeguard le salon, tu es capable d'avertir le monde le danger qui en a là. Plus ressources sont mobilisées dans recess pour retrouver sa zone allemande qui perdit dans bois belle villadig. La police avec les divisions risques et gestion des as peut servir de drone pour faciliter le travail sur sa terrain côté recess peut faire y assez difficile. Il fait 4 jours depuis que Helmut Klaus Peter Bockemüller in perdit. La police lance l'opération Recess pour localiser sa zone avec nationalité allemande Helmut Klaus Peter Bockemüller depuis mercredi après-midi. L'état qui a rapporté manqué après qu'il lit avec trois des autres dimons avec même nationalité, inclut son compagne, finalement assez dans Bois Bellevue, la digue.
D'après rapport, sa zone petit d'intricozone et compte son coude. Ça y est un pésimas drone, ça l'endroit où Tressès a pu dérouler. L'inspecteur Jeffrey Antoine, qui est responsable de la région Pralin la digue, il dit que Tressès s'est arrêté hier soir et reprend aux heures du beau matin et il est intensifié. Et il y en a au moins une cinquantaine de monde au terrain. Je suis les officiers militaires, les officiers de la police, qui sont différents units, par exemple, Marine Police, Dog Unit, et ben, les officiers de garde, par les Latigues lui-même, qui sont dans la région, ben, qui offrent une pauline. Nous avons l'assistance de l'IADM, nous avons fait l'assistance militaire montée pour nous. Nous faisons recherche avec hélicoptère pour deux jours. Still so far, nous pouvons retourner ça gentleman. Ok. D'après l'information que vous avez recevé, la position que ça a supposé être, est-ce que vous avez fait toutes les possibilités que nous avons fait tout. Position, nous-mêmes, on a dit un check-li, je dis monter une position exacte côté de nous autres, et from there, nous n'explorons pas tout. Nous-mêmes, repassons l'eau là, les trois fois, et aujourd'hui encore, nous pouvons explorer le terrain. Nous-mêmes, on peut aller loin encore, pour faire nous couvrir le périmètre de savoir entier. Inspecteur Antoine, il dit que sa terrain est difficile à cause de très boisé et sa trail, il peint l'endroit qu'il a occupé et il dit là, si tout qu'il a pris une tombée, il glissait. Le terrain est difficile, il y en a beaucoup de petits bois, il y en a beaucoup de remparts, à Melman Rose, c'est tout. Il peint l'endroit qui nous peut advise du monde qui vous autres aller, vous autres tout seul. Vraiment, il est à bord, dans les filles, il n'y a aucun du monde qui tient vie à la bonne trail. Alors avec un autre Simon et aussi Alban Tuel, quand il a été marqué, en tout cas, on est en semaine pour qu'il passe. Il n'a pas fait aucun de nos autres semaines. Aujourd'hui, il fait quatrième jour depuis que sa zone a été rapportée perdue. Mais est-ce que la police a l'espoir pour retrouver lui? Ouais, nous avons toujours l'espoir. Nous n'avons pas perdu l'espoir. Mais seulement, nous ne pouvons pas encore tout ce qui est arrivé. Nous devons faire face avec ce qui arrive. Si nous voulons aller vivant, si nous ne voulons pas aller vivant, mais seulement nous mieux que nous devons faire, c'est nous faire l'exercice. Aller, ça va être plus bon que ce nous. L'air qui nous l'équipe, qui quitte la digue vers 4 heures, de pas encore réussir et trouve sa zone. PUC dit qu'il a identifié l'endroit où sa câble électrique est endommagé entre Pralin et la digue. Sa câble est sorti Zilev Pralin. Et connecté avec l'île Ronde avant qu'il ait connecté avec la digue. Chef exécutif PIUSIM, c'est Philippe Morin. Il dit Salomaz, il vient suivant Radmaré qui n'en a pas sur l'île Ronde. Aussi pour nous faire réparation là, sur la aujourd'hui. À cause du très mauvais temps, ben plongeur qui ne sait aller, ben ne capable faire vraiment grand quelque chose. Je vais mettre sous les 6 autres pousses trop beaucoup pour mettre de la vie en danger. Alors nous avons besoin d'abandonner ce travail pour le moment. Mais ce que nous pouvons faire, nous pouvons préparer nous pour nous amener un cap ici, l'île-Ronde. Nous pouvons sans la pause, demain, nous pouvons commencer à amener les autres équipements pour que dans nos plans, c'est que nous pouvons repositionner sa cap, qui part sa cap qui sort de l'île-Ronde, il fait sa direction. Ce que nous pouvons faire, c'est coupler quand nous sommes arrivés. Sans qu'il nous mette la vie plongée en danger, et puis repositionner l'île Ronde pour qu'il soit capable d'avoir l'électricité dans sa trois jours qui vient d'avoir une base permanente, la digue. M. Morin, il aussi dit avec sa radmaré, il nous aussi un dommage le câble électrique qui est connecté avec l'île Ocef et qui fournit courant avec Banzil de Zamirante. Hier soir, encore que ça a démarré, il y a beaucoup de sable qui a été tiré. Et avec sa mouvement de la mer, et l'autre câble a été endommagé aussi, là, un câble high tension. Et à ce moment-là, on peut travailler là pour nous assurer que, par exemple, un consommateur dans sa région, le Saint-Anne, Long Island, vous êtes capable d'être courant tantôt. À cause d'un bon pile de temps, à cause d'un off-supply, vous êtes aussi, à cause du mal de sa câble. Alors, ce que nous pouvons voir, c'est qu'il y a un bandeau masse de rôle avec un raz-de-marée assez sévère. Qui, première fois, nous expérience ça. Comment tout ça, là, on est, que nous pouvons faire masser nos systèmes d'électricité, on a un câble dans la mer depuis 1985. Nous pouvons voir une situation pareille. Et puis, aussi, peut demander à Dimon Ladig pour conserver l'électricité jusqu'à ce qu'ils aient fini à rendre sa câble qui est endommagé. Sa câble qui est endommagé est 6 km longueur et passe en bas la mer sorti Pralin.
et y a une capacité pour fournir 3 MW d'électricité. Directeur exécutif division électricité PUC, M.C. Ravin Sunasi, il dit que pour le moment, PUC peut servir son lot plus petit câble qui fournit 1 MW d'électricité pour fournir courant la digue. C'était hier vers 11h du soir qui courant est coupé dans plusieurs endroits de la digue. Ça y a causé parmi des câbles électriques qui sortent de la station électrique le pralin, qui sont endommagés. Ça des câbles est 6 km longueur et les autres passent en bas la mer. Un y a une capacité 1 MW et l'autre 3 MW. Ça y a un qui est endommagé et ça y a 3 MW. Et puis aussi peut servir sur l'autre plus petit câble qui fournit 1 MW d'électricité pour fournir courant la digue. À part certains établissements et individus qui ont d'autres propres générateurs, la plupart y dépend de l'OPUC. Nous pour gagner un peu courant, mais ce n'est pas tout le pas full time. Nous besoin faire un programme, nous faire l'autre shedding, nous tient un peu courant. Et l'endroit après nous restaure, nous tient l'autre endroit, nous restaure, nous tient l'autre endroit comme ça. À cause aussi nous continuellement ouvrir l'autre sac câble aussi présent et pour développer un fort présent nous pour carbone, nous pour faire de la digue du tout. Surtout consommateur, il sait diminuer. Quand c'est l'autre, ben, l'autre qui n'a pas servi, t'es bon aircon, t'es bon aliment, t'es bon tout bon l'autre qui n'a pas servi. Il t'a dit pour nous, plus présent, nous pouvons donner plus courant. Mais si le consommateur peut continuer à servir beaucoup plus, qui n'a pas besoin, là, il faut être proche à l'OPI aussi. La pose nous besoin plus souvent. M. Sanasi dit, puis aussi, il fait provision pour mettre un troisième câble pour connecter la digue, mais ça, il peut encore matérialiser. Ça y est, posé qui est là depuis 5 ans, 6 ans passés. Mais puis j'ai encore un peu de financement pour faire les, qui pour coûte nous environ 60 millions de roupies pour nous faire les. Et ça, à cause du problème de financement, ça est encore dans le pipeline. Christianement, il a pris comme un meilleur nouveau soldat en général. Il a reçu son prix pendant une cérémonie de cérémonie qui se fait au de l'Académie La Défense et Persévérance cet après-midi. Pourtant, tout 14 nouveaux soldats joignent la force des forces PepsiCell. Pendant sa cérémonie, il y a aussi une présentation certificat et prix pour bon soldat qui fait plus bien de mon cours pratique et académique. C'est un moment où un nouveau groupe de 14 soldats qui peut prêter serment pendant la cérémonie pour officiellement joindre la force de défense PepsiCell. Ils ont compris 5 filles et 9 hommes. Ils ont suivi 3 mois de formation militaire depuis janvier contre le centre d'entraînement militaire Barbaron. Pendant sa cérémonie de cérémonie, c'était Ronnie Dufresne qui a remporté le prix comme un meilleur soldat pour cours pratique. Daniel Sanguignon est le meilleur académiquement. Et premier général remporté par Christian Edmond. Sa unité tient fait premier groupe qui gagne sens entraîne et participe dans l'exercice conjoint entre la force de défense PepsiCell et 45 soldats indiens dans la 8e édition de l'exercice L'Amitié qui t'y fait bonheur salonnais. Ça y est l'exercice qui fait tous les 2 ans contre ce bon soldat japonais qui m'aille pour coordonner la force dans la lutte contre les rebelles, terroristes et pirates. I decided to join the army because it's something that I always really wanted to do and it just made me proud for me to serve my country. The training itself was very tough, like physically as well as mentally. You also met some Indian soldiers in the training. Yes. How did that go? It was exercise L'Amitié. We did multiple things. We just exchanged different like tactics and just like weapon training and things like that. It was just to put the two armies like a little bit closer together to get them more used to each other. As well as like doing operations and whatnot, just making them more coordinated. Yes. What exactly are you going to do in the army? I'm joining the Air Force afterwards. I want to become a pilot, and if I won't be able to do that, I'm going into Coast Guard for Marine Mechanic. Pendant sa cérémonie, chef d'état-major SPDF, colonel Michael Rosette, accompagné par commandant Unit Barbaron, lieutenant-colonel Philippe Barbé, qui mettait patch pavillon national dans l'uniforme Saxe-Bonne Soldat. Pour accepter les autres de la force SPDF. Dans son discours, colonel Rosette demande sa banane un nouveau soldat pour descendre de responsabilité avec bonne volonté. Nous travaillons qui est noble et difficile, alors nous devons rester stricts dans la façon dont nous faisons notre travail et respecter que nous sommes membres et masses d'après la règle
qui ont établi et pas les autres qui ont divisé et embêté par ben des monde qui croient que la force pas devrait exister. Mon demande bonne famille et amis ça ben nouveaux soldats pour vous aussi jouer votre rôle pour premièrement donner un coup de main pour support et encourager sa banzen dans votre engagement et parcours avec la force défense. Deuxièmement, mon tiers aussi demande aux autres pour support SPDF dans sa démarche pour continuer à assurer défense et sécurité de nos petits pays et offrir l'opportunité pour nos banzen et aider pour épargner les autres contre le fléau social qui peut affecter nos sociétés aujourd'hui. Colonel Rosette Chossé lance l'appel pour plus zen joindre SPDF, que vous êtes capable de développer carrière de garde la côte, la force aérienne et les autres branches sans la force, et aussi pour assurer que la paix et la sécurité y continuent à régner dans le pays. Fondation L'Héritage Cécile pour continuer à maintenir village artisanal que domaine Val-de-Pré au Cap, c'est chef exécutif sa fondation qui dit ça pendant une cérémonie pour réouvertir sa village après 2 mois et demi de travail rénovation l'eau saban kiosque. Ça suit conseil bon artisan de sa village qui dit qu'il bon kiosque qui arrive là pour gagner réparer. L'ouverture qui fait hier, ils font partie de bonne activité pour marquer la journée mondiale l'héritage. Colbert Nouis est parmi les artisans qui connaissent le domaine de Val-de-Pré au Cap. Il y en a plus qui vêtent qui amènent son bon travail et travaillent là les autres artistes pour vendre. Il dit qu'il savent un tableau l'appétit qui amène et montre la vie cécélois, l'environnement cécile et aussi la culture cécélois qui bon artisan ici que le domaine de Val-de-Pré est préservé. Il compte que le gouvernement fait travail de rénovation de sa douce kiosque et souhaite qu'il s'y continue. La dernière fois, j'ai gagné une interview, j'ai désappointé à colère, j'ai fait cause la façon que la kiosque était coulée de plafond. Mais là, il est fantastique pour féliciter sa management, sa nouveau management qui est venu, domaine Val-de-Pré, nous pousser. Qui ça travaille rénovation nous pour gagner faire pendant ça des 3 mois nous pour gagner faire compléter bien même nous espérons que comme si comment un petit problème qui est capable venir vite rectifier de place espère tout gâte ensemble qui coûte une quantité après pour payer tout ensemble de sa cérémonie vice-président 27 Mériton et mademoiselle Benjamin Rose qui t'y coupe ribbon pour officiellement réouvrir sa village artisanal. Zoti al kout saken sa bon kiosk pour cause avec bon artisan. Joël Banane, il en a un kiosk au domaine de Val-de-Pré pour 30 ans. On a l'intention aussi de faire, comme on appelle ça, restauration, bonne vie même. Après, on a une quantité de bonne vie même, nous pouvons venir à Malakal. Tu veux maintenant avancer? Madame Jenny Akon, il y a l'autre dimoun qui vice-président qui visite. Madame Akoy font partie du groupe artisan qui montre bonne zen manière pour créer bonne quelque chose local, tel que ça pour la paille, rideau raffia, et quelque chose qui dit avec vice-président peut disparaître, Cécile. Nous faisons lobby pour nous gagner l'endroit, pour nous hausser le développement de l'artisanat local. Parce que nous avons des gens qui sont là, nous pouvons commencer. Pareil, moi-même, nous pouvons aller côté tantôt. Mais l'énergie qui est là, nous avons envie de mettre avec bonne zen. Mais peut-être si nous tenons un endroit vraiment qui nous pourra faire ça bon travail, qui ça bon zen, je tiens un endroit. Parce que pareil, Madame Rosine, Miss Rosine dit, ça consiste ma mère qui sortit à un design, mais aux les autres, pour les autres aller. Pendant sa cérémonie, tu as aussi un ouverture restaurant appelé Cuisine Hiver. Chef exécutif Fondation L'Héritage Cécile, Benjamin Rosy dit, qui se pour continuer à maintenir sa bonne kiosque de temps en temps. Ce qui m'a fait, il peut arriver dans le passé, c'est sa maintenance, qui oblige de voir de temps en temps continuer. Et là, nous voyons la nécessité pour nous qu'il faut réparer à cause de la bonne chose de ce qui peut demander pour notre cab extend, à cause de l'endroit. Nous avons envie de travailler ici, place, nous n'avons pas pu capable faire. C'est Chance Heritage Foundation peut considérer pour voir la possibilité pour agrandir notre kiosque. Sa village artisanal est ouvert en 1988 et il y a un bon endroit que tout le monde est capable d'aller pour conquérir et tradition de ses lois. L'hôtel Hilton Silhouette organise différentes activités culturelles pour commémorer l'ouverture de Grande Case. Grande Case, qui est une résidence de la famille d'Auban de l'année 1800 à 1900, y a présent un musée et restaurant.
Fè sa po an servan fè koko ti fòm pati ban aktivite sa zo. En zabitan sa zil, Jean-Baptiste Arisol, ti osi la pou montre ban invite ki manye pou fè kazye. La, mon fini fè kazye, mon pi rassemble li la, mon pi mont li gomze. A kozen la di mouni servi la kod, bi mouni servi moun bambou moun men. Peut-être que la différence entre servir la corde et servir le bambou. Ça va beaucoup plus durable, ça la corde, on a besoin de temps en temps repasser, resserrer encore. Les ils peuvent pourrir ensemble avec son casier. Combien de jours ils prennent pour finir faire sa casier? Sa casier, si mon bambou finit de gratter, 15 jours on finit. 15 jours on finit. Si j'ai des problèmes, le bambou est plus loin ici. Dans ton métier, moi la boue, c'est le bon d'accord. Ti aussi, on a bon travail là par Philippe Volse et Nigel Henry. We started the collaboration with a group of artists about a year ago, and they come every Friday to our Labrie Street Food Night, where it is really a celebration of Creole culture. They are painting, they do all sorts of different skills, as you see today here, every Friday. And today, of course, we couldn't not invite them for such an important occasion. I think there's no better way to reopen a museum by showcasing what is Creole culture. Trois portraits travaillent sa des artistes qui gagnent de la vente à l'encan. 23 000 roupies, la zone ramassée, pour l'école exceptionnelle. L'école, il y a différents projets qui nous sont contents. C'est ma première fois, on n'a pas vraiment décidé de discuter de la priorité. Zisso Bo Grand Kaz, il y a un bureau la Société Conservation Zile, qui s'y veille bonne tortille. À terre, dans l'office, il y a un écart tortille. Il a dit pour display à cause de nos clients, pas jamais on est tortillé. Sa bonne activité coïncide avec l'ouverture Grande Case qui à présent en a un deuxième musée qui inclut map et documents lo sa qui découvert silhouette et aussi plusieurs portraits qui revivent bonne mémoire l'année 1900. Sa la case ti une fois pour la famille Doban. Mon grand-papa l'étant il sorti silhouette et vient rester mon fleuri et mon papa qui ti dernier bonne pour rester silhouette. Les moments qui ont été vendus silhouettes, ils ont été beaux pour aller. Et je ne pense vraiment rester silhouette dans un temps, à ce moment-là. Je suis plutôt une silhouette un peu plus grand. Les temps, la famille est sous les bousées. Thérèse Malbouk, qui est plus bien connue comme en bas, tu travailles avec la famille d'Auban. Ça l'événement qui coïncide avec son anniversaire 77 ans. Mon sentiment fier. Mon content. Qui fait mon appel li fier. Et mon monde dans sa létase. Mon roi, mon ban safe qui m'ont travaillé avec. Mon l'ami coulé. Mon tien un bon manager qui m'ont travaillé avec. Pendant rideau ban, na aline kit nous. Ça m'ont content ça ban qui travaille avec. Depuis 15 ans, mon travail avec Henri Dauban. Pendant un petit retour autour de sa ville, nous t'y voyons qu'à vous la famille Dauban. Auguste Dauban et son madame Catherine, et son premier fille Eva, qui t'y mort là, il y a 2 ans et demi, et des trois, les autres de la famille Dauban, qui t'y en tête de sa caveau. C'est la zone culturelle. Tu termines avec un moutia animé par Sly et son groupe. Président Danny Ford a rencontré le Premier ministre australien Malcolm Turnbull pendant une rencontre bonne chef d'État et chef gouvernement pays membre Commonwealth. Président Ford et Premier ministre Turnbull ont passé en revue bon l'accord de coopération bilatérale entre Cécile et l'Australie et pendant sa rencontre, ils ont une cause sur les autres points. Président Ford exprime son appréciation pour le support que l'Australie peut donner à un petit état d'île qui peut développer. Voilà, c'est avec ça que nous arrivons à la fin de sa bulletin nouvelle pour ce samedi. Nous remercions pour l'attention et bonsoir.